Bienvenue. Aujourd'hui, je vous montre 4 jeux pour que mon enfant range sa chambre. Alors évidemment, ranger sa chambre, euh, c'est jamais très simple. C'est vrai que dans la tête d'un enfant, c'est presque insurmontable de ranger sa chambre, surtout quand il y en a vraiment partout et qu'on ne sait même plus où est le sol. Pour le jeu numéro 1, je vous propose un jeu d'acteur. Et là, c'est vous, vous les parents, qui allez devoir faire euh, le rôle de l'acteur. Je vous explique. Vous allez dans la chambre avec l'enfant. On regarde un petit peu l'état des lieux. D'accord Bon, ta chambre est quand même bien en bazar. Ça serait bien de la ranger. Ah, j'ai une idée. Et là, vous prenez votre téléphone. Tac, tac, tac. Oui Allô, bonjour euh, J'appelle pour que l'inspectrice des travaux finis vienne dans la chambre de. Dites le prénom de votre enfant. Oui, car nous allons entamer le chantier de rangement. Donc, il faut évidemment que l'inspectrice des travaux finis viennent constater euh, ce rangement. Voilà que un hein, que, comment vous arrivez dans cinq minutes. Euh, oui 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 ça sera rangé. Euh, vous inquiétez pas nous on range très très bien et, et très très vite. Euh, vous allez voir vous allez être très impressionné vous n'allez trouver aucun jouet euh, dans la chambre. C'est promis c'est ça c'est ça euh, on fait très vite à tout à l'heure. Et C'est voilà. totalement faux mais très rigolo. L'enfant déjà va vous regarder, va se demander qui est-ce que vous appelez, qui c'est cette inspectrice des travaux finis, et va vite se prendre au jeu et comprendre un petit peu voilà, que c'est un jeu et, et qu'il faut faire vite avant que cette tierce personne n'arrive. Mais je suis sûre que si vous avez un bon jeu d'acteur, il voudra très vite ranger sa chambre. Ensuite, une fois que la chambre est bien rangée, enfin du moins que l'enfant vous dit qu'elle est bien rangée, vous ressortez de la chambre... Euh, je vais chercher l'inspectrice de au Fini. Et là, donc, vous faites l'inspectrice de au Fini si vous êtes une femme, inspecteur, si vous êtes un homme. Et vous prenez votre paire de jumelles et vous regardez dans les moindres recoins de la chambre voir s'il n'y a pas un petit jouet qui traîne. Et alors, ça, je peux vous assurer que ça fait vraiment beaucoup rire les enfants. C'est vraiment pas grand chose. Un appel totalement faux et de fausses jumelles. C'est juste nous adultes, on rentre un petit peu dans leur univers, on fait les choses de façon ludique. Et c'est quand même beaucoup plus marrant pour ranger sa chambre. Pour la deuxième façon de ranger sa chambre en s'amusant, je vous propose le rangement musical. Alors là, vous choisissez une musique que l'enfant connaît quand même mieux, et vous lui dites, alors attention, je mets la musique, et tu vas devoir ranger toute la chambre. Avant que la, euh, que la musique finisse Alors, soit c'est ranger toute la chambre Soit c'est, parce que si elle n'est pas beaucoup en bazar j'ai envie de dire Ou si c'est faisable Ou sinon ça va être juste ranger tous les là Ranger tous les legos, ranger tous les livres, ranger toutes les poupées Voilà, que ce soit euh, un objectif atteignable quand même <laughs> Ça c'est à vous de juger Sur une musique, ou bon, généralement une musique ça dure 3 minutes Et c'est parti vous mettez la musique. Donc il connaît la musique, il sait à peu près début, milieu, fin. Mais quand vous arrêtez la musique, vous allez lui dire qu'il devra faire la statue. Donc vous faites euh, quelques fois, comme ça vous arrêtez la musique et ah, tu ne dois plus ranger. Statue. Et on rappuie et c'est reparti, c'est reparti pour le rangement. Ce qui va lui donner encore un petit peu plus d'adrénaline et, et, et d'envie euh, de ranger sa chambre euh, en s'amusant. Donc une fois que la, la musique est finie, après on regarde, on constate. Ah, alors, est-ce que tu as eu le temps de. Euh, de ranger ce que je t'avais demandé avant la fin de, de la chanson. Oui, très bien. Non. Et si on choisissait une autre musique Tout simplement. Ça peut être euh, une bonne astuce. Alors, pour la troisième façon de ranger sa chambre en s'amusant, c'est euh, une coopération-compétition. Je m'explique. La coopération, qui est très importante quand on range sa chambre, surtout avec de jeunes enfants. Toujours commencer un petit peu par là, après la rangeons tout seul, mais c'est quand même beaucoup mieux quand quelqu'un veut nous aider à ranger la chambre, c'est vrai. <laughs> la coopération, là euh, on est vraiment sur à, avoir, à définir avec l'enfant. C'est-à-dire qu'on définit qu'est-ce que l'enfant va ranger, qu'est-ce que le parent va ranger. Et ça vous allez le définir ensemble. Donc vous dire, bon allez, toi tu ranges les câbles là et moi, qu'est-ce que tu veux que je range ça va lui laisser le choix de savoir ce qu'il préfère le moins ranger du coup. Comme ça, ça sera pour vous. Et donc faites comme ça. Ok. Donc toi, tu as décidé. Donc moi j'ai dit que toi tu rangeais les caps là et toi tu as décidé que moi je rangeais les livres. Très bien. Donc là, on a chacun un objectif. Il est clair, il est précis. Et là, on peut mettre la petite compétition. D'accord Le premier de nous deux qui a fini de ranger a gagné. Et là, c'est parti pour ranger très très vite et essayer d'être le premier. Le principal, c'est qu'à la fin de cet objectif, on peut en refaire un autre. Ah bah super Par exemple, bravo, tu as, tu as gagné, tu as été un petit peu plus rapide. Euh, dans ce cas-là, euh, je te propose qu'on qu continue le jeu, parce que moi j'ai bien envie d'avoir ma revanche. Euh, donc moi, je, toi, tu peux, par exemple, ranger euh, les poupées, et moi, je vais ranger euh, les vêtements qui traînent. Par exemple. <laughs> Et ensuite, c'est reparti pour, euh, pour une nouvelle compétition qui était un petit peu coopérative à la base. Voilà. Donc, ça, c'est une façon euh, simple et du coup assez rapide. Il n'y a pas vraiment de. Il n'y a, de... a rien à préparer. On n'a pas de jeu d'acteur. On est sur quelque chose d'assez simple à faire tranquillement sans euh, rabâcher plusieurs fois la même chose. Arranger ah, ta chambre <laughs> La quatrième façon pour ranger sa chambre en s'amusant, ça va être ce que j'appelle la chaîne. Donc bon, vous savez ce que c'est qu'une chaîne Chacun donne un objet à l'autre qui, le dernier, va le, le ranger dans une boîte. C'est un peu, c'est vraiment ce principe-là. Voilà, on prend un jouet, on le donne, on le donne, et le dernier met dans la boîte. L'idéal, ça serait de faire au moins trois. Donc si vous avez deux enfants, c'est pas mal. Si vous avez qu'un enfant, bah du coup, euh, y intégrer le papa ou la maman. Du coup, comme ça, on est trois. Le papa donne à maman, maman donne à l'enfant, l'enfant met dans la boîte. Ou l'enfant prend, donne à maman, maman donne à papa, à papa met dans la boîte. Peu importe. L'idée, c'était vraiment d'avoir cette chaîne comme ça. On est ensemble, on le fait tous. Et il euh, range, en fait. Il range de cette façon-là. Et ce qui peut être encore un petit peu plus marrant, ça serait d'y mettre une chanson en même temps euh, pendant qu'on qu fait la chaîne. Donc, ça peut être euh, un coup de. Et eh, oh! Eh oh, on range bien la chambre Eh oh, eh oh, eh oh On range bien la chambre Eh oh, eh oh Voilà, quelque chose de très basique comme ça Mais alors là, vous laissez Mais laissez votre imagination euh, faire, euh, faire la chanson, j'ai envie de dire Il suffit de prendre un petit thème connu Et puis là, vous mettez les paroles sur la chanson Ça marche super bien, les enfants adorent Et, et quand c'est fait en s'amusant Ben, c'est plus simple Et, et c'est fait sereinement aussi quand même assez important. C'est quand même mieux de ranger sa chambre dans le calme et dans la bonne humeur qu'en râlant, en traînant des pieds, chose qui bah, sera moins bien fait ou pas fait du tout. Donc voilà, vous avez vu les quatre jeux pour faire ranger mon enfant. J'espère que ça vous a plu. J'espère que bah, ça va vous aider, vous et vos enfants, et que les chambres seront magnifiquement rangées. <laughs> évidemment, une chambre s'est fait aussi. On va voir un petit peu le bazar parce que c'est fait aussi pour y jouer. N'hésitez pas à me faire des retours, ça pourrait être très instructif. Euh, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et euh, commenter si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.